Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonjour. Une fois de plus, je suis devant vous, DJ Ramsey, le dernier de votre serviteur. C'est l'émission Fafa. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer quelqu'un qui est une sommité, quelqu'un qui est un monument, quelqu'un qui est lui-même le précurseur d'une musique qu'on appelle le Zoukou. Il a bien voulu nous recevoir, il a accepté qu'on soit avec nous. Tu es un monument, le Zoukou, tu es bien, très influent dans ce milieu. Et voilà, toi, tu peux t'arrêter, donner ton conseil à quelqu'un, parce que tu sais de quoi tu parles. Et aujourd'hui, on taxe les Zoukoumans de personnes, sinon d'artistes qui ne se prennent pas au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont le talent, mais leur carrière n'est pas assez organisée pour que ça aille plus loin. Et il n'y a que Magic System aujourd'hui qui est un groupe Zoukou qui fait et danser l'Afrique et danser l'Europe. Pas les Africains de l'Europe, mais les Européens eux-mêmes, aussi en Amérique et tout ça. Alors on dit les Zoukoumans, au lieu de s'asseoir, de tracer bien leur carrière, passe leur temps dans les maquis, à boire les bières, à faire son tac, le soulement des sous-là. Et on dit, c'est même pas bonne boisson, quoi. Ces bières sont mes boires. Mais c'est pour tout, mais c'est bandit, quoi. Tu vois. Donc le truc n'est pas, c'est pas. Parce que vous, à votre époque, bon, moi j'ai entendu quelqu'un dire ça, c'était un bistrot, un gars disait, mais les anciens, hein, eux, ils sont allés à l'école. Voilà, c'est les gens, ils sont instruits, donc ils savaient comment se comporter. Et aujourd'hui, il y a plein de soulements qui ne sont pas instruits, ils foutent la merde dans le milieu. Donc du coup, ça fait que les soulements n'arrivent pas vraiment à émerger en tant que tel, les Zoukou un peu désordonnés. Qu'est-ce que le sage a encore me sorti? Tu es trop fou. Non mais tu es fou, mais quand tu es fou, c'est bien. Toi, tu n'es pas né dans la folie, tu fais le fou. C'est ça qui est bien. Les Zoukoumans ne sont pas organisés. Vous avez oublié au moins que la philosophie du Zoukou même est dans la simplicité. Nous, on n'est pas coupé décalé. Nous, on est Zoukou. Les gens peuvent être coupés, quelquefois ils sont décalés. Nous, on est Zoukou. On est dans le roots. Moi-même, tu crois que vous êtes mieux que la coupée décalée, quoi. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai jamais dit ça. Tu dis que coupé, décalé, nous, on est Zoukou, ça. C'est d'accord. Donc on tient un vieux père là, tu es venu clasher les Zoukou ici, elle est coupée des calés ici. Ah, moi je ne suis pas dans le clash, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Moi je te dis simplement que quand on dit coupé des calés par exemple, c'est du bling bling. Faut avoir la plus belle montre, faut travailler. Le Zoukou, si même il est hyper riche, il pourrait plutôt être dans l'humilité. C'est deux différentes philosophies. Et ça on ne peut pas les comparer. Nous on est dans la simplicité. Et moi-même que tu vois là, Kotoko, j'ai bu. Kotoko, est-ce que tu bois encore? Tu dis j'ai bu, c'est vrai que tu as bu. Je bois même quelques fois. Comment tu crois que tu fais 25 ans en Europe, tu reviens et puis tu bois pas Kotoko? Le truc qui a beaucoup de noms, ça va être Kotoko, 4K, Zinglin, Petit Rapide, Aquete, Begere. En même temps vaut mieux. Qui m'a poussé? Tout ça c'est le même nom de la chose que tu ne goûtes pas pour boire. Même Kotoko boit. Mais en fait, excuse-moi, ça sert à quoi de boire des bouteilles de champagne à 50 000 quand demain ta mère t'appelle pour 5 000 francs de médicaments que tu ne peux pas lui donner? Méditer, s'ils peuvent se le permettre, tant mieux. Mais nous, les Zoukoumans, non. On va à l'essentiel. D'où l'expression, l'essentiel, c'est le principal. Alors, si c'est pour ça qu'on nous traite de personnes désorganisées, parce qu'on est très simple, et que vous préfériez qu'on vous snob, qu'on joue, on pourrait le faire. Mais il n'y a pas que Didier en Zoukou qui soit allé à l'école. Espoir 2000, même le Magic System, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui sont allées à l'école. Et il n'y a pas besoin d'être à l'école pour être intelligent. Il y a des gens qui ne sont pas partis à l'université, mais qui sont très intelligents et très futés. Voilà. C'est une question d'organisation. Chacun s'organise comme il peut. Mais je ne peux pas avoir la prétention d'être le père du Zoukou, donc celui qui va s'arrêter et dire aux gars, toi tu fais comme ça, toi tu feras comme ça, toi-même t'es qui? Moi je suis rien. Aux yeux de l'Éternel, je suis une infime poussière. Et c'est moi qui aurais l'orgueil de dire aux gens, voilà, toi tu devrais faire comme ça, là tu devrais faire comme ça. Non, je ne peux pas avoir ce genre de truc. Chacun mène sa carrière comme il veut.
dans le reggae, il y a des gens qui l'amènent de manière très rousse, reggae, roots, et puis il y a d'autres qui sont dans le snobisme. Toutes les carrières ne se ressemblent pas. Mais maintenant, c'est sûr que le Zouglou est dans la simplicité. Si c'est votre simplicité, c'est notre simplicité qui vous gêne. Non, c'est pas la question de la simplicité, c'est pas ça. Mais le Zouglou a commencé de façon familiale. C'est-à-dire que ça a commencé comme toi-même tu expliquais, moi tu n'étais pas là, hein. C'est toi qui m'as expliqué. Ça a commencé dans la famille, tout le monde, voilà, ensemble on fait le mouvement. Aujourd'hui les Zouglous sont dispersés, chacun fait sa carrière ici. Voilà, il n'y a pas de solidarité. Ils font croire aux gens qu'ils sont solidaires alors que dans le fond, ça s'est topi. Oh, Molière même, il a sorti son appui. Il va faire quoi même? Il va faire quoi? Vous êtes des il va faire quoi même? Il va faire ci, il va faire. Qui a dit ça? Moi j'ai un exemple palpable. Il y a Bongo. Il y a Bongo, son album a été critiqué ici par les Zouglous. Par qui? Par les Zouglous dans ce pays. Non, c'est pas mon rôle. Moi je ne vais pas commenter des choses où je n'ai pas de. Mais ça, c'est pas mon rôle. Ça, c'est pas mon rôle de citer. Mais le mouvement Zouglou n'est plus. C'est plus. Il n'y a plus de solidarité dans ce mouvement. C'est sûr que. Il y en a qui ont un peu plus de succès, mais qui n'aident pas les autres à émerger en tant que tel. Voici les patrons qui étaient 4, ils sont devenus 2. Bah, tout ça, c'est. Ah, c'est... donc les patrons ont eu tellement de succès qu'ils n'ont pas aidé les autres. Non, je dis que les. Les patrons, que vous avez étaient, le bon exemple. Ils étaient 4, ils sont devenus 2. Voilà. Ah, donc, ils n'ont pas aidé les deux autres. En fait, il y a beaucoup trop de choses. Mais le droit au but va poser des questions. Oui, bien sûr. Quelle est la question? Le Zouglou est trop désordonné. C'est-à-dire parce qu'ils sont 4, ils deviennent 2. Non, pas du tout. Ça, c'est un exemple. Parce qu'ils sont trop connus, ils n'aident pas les autres. Ça non, veut pas dire. Du tout. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. C'est juste. Dans votre famille, vous avez des ministres. Non, moi, il n'y a pas de ministres. Moi. Vous avez des gens qui sont riches quand même. C'est existe. Ouais, quand même, peut-être. Est-ce je ne les connais pas, mais. Mais est-ce qu'ils vous donnent toujours de l'argent? Non. Chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui sont milliardaires, est-ce milliardaires? Ceux qui sont pauvres, restent pauvres. Et puis moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un qui ne m'a pas donné de milliards, on n'en a rien à péter. Pour te parler de manière franche, comme un bon français, je m'en bats la coupe. Celui qui a son argent, ça a son argent. Moi, je suis jeune et beau. Excuse-moi, mais j'envie personne. Maintenant, la solidarité, chacun fait ce qu'il veut. Mais normalement, si vous êtes solidaire dans le Zouglou va aller un peu plus loin. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Mais si les gens ne viennent pas dans la solidarité, on s'en fout. On fait quand même ce qu'on a à faire. Je vous parlais tout à l'heure de le fait de bouger pour aller faire des élections. Les gens ne se bougent pas de chez eux pour aller voter parce qu'ils sont persuadés que le résultat est connu d'avance. Mais si 100 personnes se disent ça, 1 million de personnes se disent ça, le résultat sera connu d'avance. Parce que ceux pour qui on croit que le résultat est déjà connu, eux, ils y vont pour voter. Donc, moi, ce que j'ai à faire dans la solidarité zouloutine, je le ferai. Si d'autres aussi veulent le faire, ils le feront. Et c'est petit à petit comme ça qu'on ramènera le Zouglou à son essence première, qui est la solidarité zouloutine. Mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas la prétention d'être Dieu. En plus, je n'ai même pas la barbe que tu as. Toi. Tu pourrais être un Dieu, mais non. Moi, je suis pas. Moi, c'est ce qu'on dit. Mais moi je dis, tu n'as pas répondu à ma question. Laquelle? Je dis qu'aujourd'hui le Zouglou, les artistes Zouglou n'émergent pas comme il se doit. Oui, c'est d'accord. C'est pourquoi le souci, pourquoi il n'y a plus de solidarité dans ce mouvement? Parce qu'avant, moi je me souviens qu'avant, par exemple les gens du coupé décalé, la chose, la plus grande chose qu'ils ont oublié aux Zouglou, c'était la solidarité. Et vous estimez qu'aujourd'hui il n'y a pas de solidarité? Oui, aujourd'hui il n'y a plus de solidarité en Zouglou. Je vous laisse mettre de vos mots, parce que pour moi, de toute façon, chaque fois qu'on fait une chose ou nous, quand on a, comment j'appelle les gens, peut-être que parce que j'ai une situation un peu privilégiée, les gens y viennent, mais moi, il n'y a personne en Zouglou qui m'a refusé sa solidarité. Et en Zouglou, quand on m'appelle, je viens toujours. Donc, si vous pensez qu'il y a plus de gens, vous êtes un gros chef de ce mouvement. Mais si qu'est-ce qu'on ne peut pas organiser un show parmi les managers pour dire lui, c'est son show et les managers ne vont pas venir, c'est pas possible. Mais on n'est pas en Zouglou, c'est pas possible. On n'est pas en Zouglou, on parle de Zouglou. Oui, mais c'est un exemple que je donne pour dire que tu es un monument. Alors, un monument ne peut pas faire son show. Alors, je vais t'expliquer. Tu es en train de m'expliquer à moi qu'il y a des gens, quand ils passent dans la rue, on les lance des pierres. Mais moi, je ne suis pas là. Mais comment ils passent dans cette même rue, on ne me lance pas des pierres. Ah, Didier, ça va? Eh, hey, vieux père, vraiment merci. Hein. Moi, je ne garde que le merci. Vous êtes en train de m'envoyer des faits.
que je ne connais pas, dont je ne suis même pas témoin. Je ne suis même pas témoin de certaines choses. C'est-à-dire même les enfants qui naissent, on ne sait même pas si on est vraiment les coupables. Et puis vous, vous me demandez de dire pourquoi est-ce que les Zouglous, les gens ne s'aiment pas les uns les autres. Je n'ai jamais vu un clash zougloutique entre Zouglous, comme ça peut exister dans d'autres mouvements. Un Zouglou qui insulte un gars, toi tu as fait ça, tu as cherché ma mot, toi tu es comme ça. Je n'ai jamais vu. Vous me parlez du monde de solidarité. Je vous laisse libre et responsable de vos projets et de vos propos. Moi je suis d'accord, j'accepte d'être responsable de mes propos. Mais on a vu dans ce pays ici, Petit Denis qui a passé son temps à clasher Denis Champion. Il y a eu un clash, il y a eu un problème entre Petit Denis et Denis Champion. Monsieur Billet Didier ne peut pas dire qu'il n'a pas été témoin de cela. Je vous dis que non. Vous pouvez faire un résumé résumatif de la chose. Ok, Petit Denis disait que Denis Champion cherchait à ressembler à sa personne. D'où la chanson « On peut se ressembler, avoir le même visage, la même démarche, mais pas le même talent. » Et Petit Denis, et Denis Champion qui réplique d'une autre chanson qui dit « Petit Denis, oh, aime ton prochain, oh. » D'accord ? Vous parlez, monsieur, à un DJ qui est là depuis longtemps, qui joue la musique Zouglou depuis très longtemps. Moi, je joue la musique avant même que d'autres musiques naissent. Je fais partie de ceux qui ont aidé le Zouglou à s'implanter dans ce pays, même si je suis très jeune. Voilà, donc je suis témoin de certaines choses. Pourquoi est-ce que vous dites que vous n'êtes pas témoin d'un clash alors que ce clash-là, ça a existé dans les Zouglous ? C'est dans quelle année ? Ça devait être, je crois, au début des années 2000. J'étais en France. Mais quand j'entends les deux chansons, si c'est censé être la réponse de l'un à l'autre, on pourrait dire que Yodé Siro et Magic System aussi se sont clashés. Premier gars ou à Paris, non, on ça, c'est arrivé. Pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Monsieur Billet Didier, ne m'envoyez pas sur d'autres terrains pour fuir la question, monsieur. Je ne fuis pas. Je vous dis simplement que ce que vous venez me chanter est peut-être quelque chose qui a existé, qui est réel. Maintenant, ça, c'est pas un clash. C'est pas un clash. Si à quelqu'un on répète, mais tu sais, lui, il veut faire comme toi. S'il estime qu'il n'a pas la grandeur d'esprit, de savoir se mettre dessus, qui veut répondre, il répond. Chacun répond, chacun fait ce qu'il veut. Moi, les gens m'ont traité de n'importe quoi, j'ai jamais rien dit. Vous savez, même là, qui t'a traité de n'importe quoi? Même pas des qu'on appelle, hein, même pas des gens qui chantent. Vous savez, vous m'avez traité de PD Abidjan, de porter disparu. Ah, vous parlez en Zougou. Mm-hmm. Parce qu'il y a des filles qui passent, parce qu'elles s'estiment belles. Et que dans leur tête, Didier, il aime tellement les femmes, il ne peut pas voir une femme comme ça qui soit sincère et curieuse et ne rien dire. À partir de ce moment-là, comme il n'a pas réagi, Didier est pédé. Je ne réponds pas. Moi, je sais ce que je suis. J'aime Pinkistanais. Et ça, tout le monde le sait. Mais ma femme vous le dira mieux que moi. Comme vous parlez, comme tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a des femmes qui t'attendaient de payer des personnes qui les ont pas regardées. Je t'attendais là. Mais moi, c'est un peu difficile à croire. Parce que toi, en tant qu'un vieux père, toi et moi, il n'y a pas trop de causerie. Parce que tu es mon vieux père. Vas-y, quoi. Mais j'ai entendu les gens, ils ne savent pas. Peut-être que tu as me dit que c'est les jaloux. Les gens, hein. Oui, les gens disent que. Quel Jean, Jean-Pierre ou Jean-Noël? Jean-Paul. Jean-Paul, est-ce qu'il n'est pas mort ce papa? Non, c'est pas de lui. C'est pas de lui. Ah, d'accord. Alors, on dit que Billet Didier est trop. Il aime trop les femmes. C'est un homme à femme. Comme toi-même, tu disais tout à l'heure que tu es jeune et tu es beau. Apparemment, on dirait que tu comptes dessus pour chercher les femmes. Parce que on dit que tu aimes beaucoup les femmes. Tu cherches trop les femmes. Ah, c'est magnifique. Faut parler de ça. Tu sais d'ailleurs. Maman nous regarde, donc faut. Ah, mais tu sais, même sans la regarder, c'est ce que je dirais. Tu sais d'ailleurs, sur ce plateau, le plus beau, c'est pas moi. Le plus non, beau, pas lui là-bas, pas me blaguer. Faut pas me m'amadouer, faut répondre. Je ne cherche pas à t'amadouer. Je dis la chose qui est. En plus, tu es dans l'air du temps, tu as les tatous, tu es beau, tu as le teint qu'il faut, chocolat et ceci, cela. Tu aurais été une femme, peut-être que si je t'étais pas marié, je t'aurais dragué. C'est pas ça. Je suis lesbien. C'est vrai, j'aime les femmes. Mais vous savez, mon passé me rattrape. Parce que mon passé, c'est vrai, dans le temps, j'ai eu des choses à faire. Je ne suis pas forcément fier. Il y a eu de belles choses. Mais aujourd'hui, vous savez, à un moment, il faut arrêter. Sinon, on finit vieux con. En France, il y a eu le vieil Camaille.
Maintenant, on ne va pas faire la tournée des vieux cons ici. Voilà. Donc, je dis simplement que les gens disent ce qu'ils veulent et puis je laisse chacun penser ce qu'il veut. Moi, j'ai un objectif aujourd'hui, c'est de faire du business autour du show. La femme, c'est bien. Les femmes, je les aime. J'aime toutes les femmes parce que c'est nos mères. J'aime pas les femmes parce que c'est un objet sexuel. Il faut que vous le sachiez. J'aime les femmes, c'est parce que c'est nos sœurs, nos épouses. Maintenant, l'esprit giclatoire que les gens peuvent avoir n'est pas la mienne. Et je suis sur d'autres sphères. Aujourd'hui, l'essentiel pour moi, c'est pas de savoir s'il y aura une femme nouvelle dans mon livre ou pas. Non, j'ai fini les aventures. L'épisode de Christophe Colomb, elle est terminée. Je ne vais pas découvrir la vérité. Nous, on ne voit pas d'alliance. Ah, donc quand quelqu'un appelle une alliance, c'est qu'il aime les femmes. C'est non, ça mais... L'abbé Pierre n'a pas d'alliance. Non, mais l'abbé Pierre, les prêtres, on sait qu'il est marié. Ah, parce qu'il n'a pas d'alliance, il aime les femmes. On sait qu'il ne se marie pas. Tout le monde sait ça. Donc, et puis les idées s'est rangé, il n'y a pas d'alliance. Oh, c'est pas l'argent qui lui manque. Il s'est marié, bon, on ne comprend pas. Même Billet dit qu'il n'est pas marié légalement. Ah. Parce que moi, il pense que tu n'es pas marié légalement. Là, tu me fais plaisir. Je ne vais pas encore te demander ton âge. Mais tu sais, quand on danse entre aveugles, si tu penses que parce que tu as le pied sur un caillou, tu dis on n'a qu'à se lapider. Je te dis que quand tu danses un aveugle, il faut le bousculer pour qu'il sache que tu es là. Tu sais que tu n'as pas d'alliance. Donc toi, tu dois être pornographe dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas le moment. Non, mais tu n'as pas d'alliance. Non, mais c'est pas le moment. On continue. C'est pas le moment. Tu n'as pas d'alliance. C'est pas le moment. Donc toi, vraiment, tu fais mal dans ce pays. T'as vu? Non, mais qu'est-ce que tu as vu? Tu vois, l'histoire de Tiabu là. Tu veux que tu racontes l'histoire de Tiabu? Non, ça va, merci. Là, je te raconte une histoire. Comme ça. Pour qu'on se détende parce que tu commences à se stresser. Ah bon? Oui, je t'explique. Tu vois, il y a un homme et sa femme comme ça qui visite un parc animalier. Mais la femme, elle voit un taureau qui est en train d'enfourcher une vache. Elle demande au guide, mais dites, le taureau, là, il fait ça comme ça toute la journée. Ah, le guide, il dit, ah oui. Ah, lui, il peut faire ça comme ça 6 fois. Elle se tourne vers son mari, elle dit, tu as vu? Le mari aussi demande au guide, mais dites-moi, le taureau, là, c'est la même vache, là, il fait ça comme ça toute la journée. Elle dit, non, il peut filer comme ça toutes les vaches, là, comme ça. Lui aussi se retourne vers sa fille. Sa femme, il dit, tu vois? Non, tu vois, c'est une histoire d'interview, là. Donc, j'ai pas de bague, tu n'as pas de bague. Si tu acceptes que tu es un Gyanju, peut-être que j'en suis un. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Mais il s'agit de nous deux, tu es un homme, j'en suis un. Moi, je suis marié. Je fais souvent de la percussion. Mais, forcément, comme ça me gêne pour faire la percussion, je n'ai pas besoin de mettre une bague, une alliance pour dire aux gens que voilà, c'est là. Et combien de personnes vous voyez avec des alliances qui ont des aventures à gauche et à droite? Non, ça c'est pas faux, mais il s'agit de Billet Didier aujourd'hui. Mais Billet Didier est marié, normalement la bague, quand on porte la bague, on se promène avec madame, ça dit même si vous n'êtes pas ensemble, quand tu es quelque part à jamais, madame elle t'accompagne à jamais. Maintenant si tu ne vas pas avec l'alliance, c'est que c'est bizarre. Heureusement que j'ai encore un doigt, et si je coupais mon doigt là, le débat serait court. Parce que je ne sais pas, il n'y a pas besoin d'une bague pour prouver qu'on aime une femme. Il m'a prouvé aux autres femmes que tu es déjà. J'ai pas besoin de prouver aux autres femmes. Il y en a qui m'ont traité de PD, c'est suffisant. Ça devait être votre réponse. Monsieur Billet Didier, qui est, comme je dis, que je répète, tu es un homme, tu es un dur du mouvement Zoubou. Comment tu sais que je suis dur? Oui. Tu as parlé avec ma famille? Non, pas du tout. Non, tu me fais peur parce que c'est vrai, je suis dur. Voilà. Tu es un chef. Alors, est-ce que les mouvements Zouglou, comme récemment il y a eu Bonne année Zouglou, bon, je ne sais pas si tu étais encore au pays en ce moment, il y a eu aussi souvent, il y a Angelo Kabila qui organise les Zouglou Days et tout ça. Est-ce que quand tu es à Abidjan, est-ce qu'on t'associe à ces mouvements-là? Est-ce que tu t'appelles, tu te mets dans l'organisation ou bien est-ce qu'on t'associe à ça? Oui, effectivement, chaque fois que je suis à Abidjan, quand il y a un mouvement Zouglou, les gars m'associent à la chose. J'étais à la base de l'année passée en 2017. J'étais à la base aussi de cette année en 2018. Angelo Kabila m'a souvent
contacté pour les Ubudis. J'ai jamais eu de chance. En fait, c'est que moi, j'ai un principe, c'est que quand j'ai déjà dit d'accord à quelqu'un, oui à quelqu'un, je ne cherche pas d'avis. Et malheureusement, souvent, comme les plannings sont bouqués depuis longtemps, au moment où il y a des Ubudis, j'ai déjà des engagements et je ne peux pas me rendre à Abidjan. Mais j'ai la ferme conviction que comme cette année, je risque d'être là pour les Ubudis, il ne serait pas normal, ni pour Angelo, ni pour moi, et ni même pour l'entendement de tous les minomans ivoiriens, de voir un Zubudis alors que je suis là, à des costumes de mon vivant, et que je ne sois pas présent. Et Angelo, c'est mon fils. C'est moi-même qui lui ai donné le nom, l'homme en Kaikai. L'homme en Kaikai. Et c'est moi qui l'ai envoyé aux Zubudis. C'est quelqu'un que j'adore. Et j'ai aucun problème. Et je pense que ces Zubudis-là auront la chance d'avoir des vidéos présentes. Mais est-ce que toi-même, à ton niveau, est-ce que toi-même, parce que je constate que tu commences à t'installer, à t'implanter au pays, déjà là on est dans ton restaurant, ça veut dire que tu as commencé à réaliser dans le pays. C'est le restaurant d'une structure, It Will Go Corporate. Qui appartient à qui? Qui appartient à un consortium de personnes dont je fais partie. D'accord. Tout ça, c'est, ça fait partie des réalisations. Donc, on sent que tu commences à t'implanter dans le pays. Son matériel. Est-ce que tu n'envisages pas toi-même organiser un festival sur vous, peut-être même organiser un concert sur vous, si chaque année, tout si ça viendra, c'est dans les paquets, dans les cartons comme on dit, et puis en temps voulu, vous saurez, parce que c'est aux premières lignes, aux premières lignes, je vous le dis, n'est-ce pas, Ramzi? J'en serais très très ravi. Ah oui, et même à ton mariage, je viendrai. Hein. Je vais chanter le cadeau. Pourquoi je dis ça devant tout le monde? Tu me dis seulement laquelle, je ne sais pas laquelle. Non, quand je vais la trouver, je te dis. Ah non, tu n'as toujours pas trouvé? Ça viendra. Ok, d'accord. Alors, est-ce que là, est-ce que maintenant, actuellement tu as sorti une autre vidéo qui passe actuellement la télé et tout ça. Donc, je veux savoir si c'est un single ou si c'est un album qui va sortir. Non, c'est un single pour le moment. Il y a un deuxième qui va venir qui est d'Italie, qui va sortir là maintenant, que vous devez voir un peu sur les ondes et tout ça. Et il y aura un album qui viendra avant la fin de l'année. En tout cas, Bédédé, merci de nous avoir reçus de façon très très cordiale et très très sympathique. Oui, même si tu as refusé de boire un peu de vin. Non, je vais boire le vin après l'émission. Mais ça réussit. Ça réussit toujours. Ça réussit toujours. Ça réussit toujours. Mais alors, je t'aime bien. Merci. Pourquoi les gens te détestent? Les gens me détestent parce que je les fais souffrir. Mais tu n'as rien de souffrant. Je les fais souffrir parce que quand moi je viens, j'attaque, je pose la vraie question. Mais si tu es un attaquant, tu es un attaquant, mais quand tu tombes sur un défenseur. C'est ça, le défenseur, tu vas masser. Ça fait mais tu as pas me masser, mais j'ai. Non, c'est pas le but de la chose. Tu as pas me masser, mais j'ai souffert. Alors, je voulais te dire, l'émission tire à sa fin. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui regardent. Est-ce que tu peux donner le mot de fin? Je te laisse conclure. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Comme je le dis toujours, en Zouglou, ça réussit toujours. Il faut rester solidaire. Tous ceux qui font du Zouglou, ne permettez pas que les Niatars ici présents disent qu'on n'est pas soudés. Faites au moins rayonner et grandir l'esprit zouglotique. Du plus grand au plus petit, le Zouglou, ça réussit toujours. Et moi, je dis merci parce que à chaque fois que je marche dans les rues d'Abidjan ou partout, il y a un témoignage d'affection et d'amour qui me voit droit au cœur. Et je peux vous dire, cela est ma plus grande richesse. Le reste n'est que superfétatoire, inutile. Donc, on est ensemble. Je vous aime. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Fafa. On était reçu aujourd'hui par un monument, un homme très très fort, quelqu'un même par qui aujourd'hui toute l'Afrique, le monde entier a connu cette musique qu'on appelle le Zouglou. Voilà, il est à Abidjan. C'était vraiment, ça aurait été déplacé de ma part de ne pas venir lui poser les vraies questions. Voilà, il nous a reçus de façon très conviviale, de façon très sympathique. C'est Monsieur Billy Didier. Voilà. Alors, merci de nous suivre. Vous avez toujours comme cadreur celui-là même qui a les doigts magiques qu'on appelle William Santiago. Vous avez Soko qui supervisait. Merci beaucoup de nous avoir suivis.
Merci aussi à M. Nikes Kouaou qui nous a permis de rencontrer Bill et Didier. C'est l'émission Fafa. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. On est ensemble. C'était DJ Ramsey, le dernier, même serviteur.